Bonjour, aujourd'hui on va miser sur une recette fraîcheur, le tartare de crevettes, mangue et avocat. Une salade fruitée facile à réaliser et très gourmande. Pour 4 personnes, je compte 200 g de crevettes roses cuites que je coupe en petits morceaux de taille égale après les avoir décortiquées. Pour la déco, je prévois toujours une crevette supplémentaire par personne que je placerai délicatement sur le tartare à la fin de la préparation. Je dénoyote ensuite 2 avocats et je prélève la chair en prenant soin de faire des morceaux de taille égale. Pour garantir un bon équilibre des saveurs de ce tartare, détaillez tous les ingrédients en dés de la même grosseur. Puis j'asperge tout d'un jus de citron vert, cela évitera à la chair de noircir. C'est le moment délicat de la recette, le découpage de la mangue. Mon secret, je coupe la mangue de part et d'autre du noyau. Puis, à l'aide d'un couteau, je quadrille la chair. Enfin, je retourne la mangue de manière à ce que les dés prennent du relief. Il ne me reste plus qu'à les récupérer. Je mélange délicatement l'ensemble des ingrédients dans un récipient adapté en y ajoutant l'oignon préalablement haché et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Pour plus de goût, pensez à ajouter 6 gouttes de sauce pimentée, une pincée de sel de Guérande et du poivre écrasé. Voilà, votre tartare est prêt. Pour la présentation, je vous conseille d'utiliser un emporte-pièce et si vous n'en avez pas, pas de panique, une petite verrine fera également l'affaire. Côté déco, déposez votre crevette, un brin d'aneth et voilà, c'est terminé. N'oubliez pas que la plupart des ingrédients de cette recette sont disponibles dans votre magasin Leclerc avec la marque Repère. Bon appétit et à bientôt pour de nouvelles recettes.